Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Branché Info 9, c'est émission Chita Tande Nouvelle ça qui est entré la caillou. Moi, c'est Mette Info, quel que soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal information sans force côté. Gros information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Nous partons avec une information insolite, mais qui ont déjà grave tout pour autorité dans le gouvernement dans le pays ici. Eh bien, il y a un premier secrétaire responsable service consulaire dans l'ambassade pays d'Haïti gagné dans Bahamas, M. Carl Henry Châtelier. Eh bien, gouvernement haïtien révoqué monsieur. Et yon titan après, monsieur gagné une vidéo qui a publié, par contre, qui genre vidéo ça a fait arriver sur les réseaux sociaux. Eh bien, yon joint une vidéo, monsieur, côté vidéo publié. Côté monsieur a fait et masturbé tête li en bon créole, il y aurait les ça monsieur a bat la poignette. Donc maintenant qui ça ambassade pays d'Haïti trouvé dans pays Bahamas. L'autre information vient la Cour supérieure des comptes à contentieux administrative qui désapprouvé un contrat l'état haïtien exécutif la gagné avec la compagnie Helico SA. Et bien un contrat qui coûtait 3 300 000 dollars américains pour location hélicoptère chaque année. Donc, la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, lui-même, lui, a demandé l'État haïtien pour acheter propre hélicoptère PAL au lieu de la dépenser pile l'agence pour payer hélicoptère, contrat hélicoptère chaque année. Nouvelle marche, barreau avocat Port-au-Prince, l'autre avocat Port-au-Prince, pour que yo continue à demander justice pour mettre Montferrier d'Orval. C'est la date 5 octobre qui vient là. Marche ça a organisé sorti et dans zone la cour par les justice là pour arriver dans zone bureau mettre Montferrier d'Orval dans Ruelle Rivière. Plusieurs partis politiques dans l'opposition ont un mot qui est Mouvement Populaire des Saliniens avec RSD qui est Rassemblement Social Démocratique avec plusieurs organisations syndicales. Ils ont annoncé qu'ils ont 3 jours de manifestation dans Port-au-Prince pour que ils ont exigé et pour ils battre Charles Barré derrière le Conseil électoral provisoire, président Jovenel Moïse installé à. Ils ont demandé dit tout. Il pral manifester pour que contre zak violence qui a fait dans quartier populaire a tout pour continuer mandé départ chef l'état président Jovenel Moïse sous pouvoir. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, comme d'habitude, n'a invité au continuer brancher, continuer abonner au canal information sans force côté de manière à ce que nous capables continuer porter bon gens information frais clair coup de loco pour vous. Ou même qui abonné déjà, nous remercions pour ça. Ou même qui beaucoup abonné, nous invitons à abonner de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publie, la privée joigne nous de façon automatique. Jean nous annoncé aux auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, gouvernement, autorité, nous dans le pays d'Haïti, eh bien, a fait des bagailles qui drôlent dans le niveau pouvoir et dans le niveau ambassade Haïti qui à l'étranger. C'est comme ça qu'il y a un premier secrétaire qui est responsable et question service consulaire dans l'ambassade pays d'Haïti gagné dans Bahamas, M. Carl Henry Châtelier. Eh bien, M. joint une révocation là dans le niveau gouvernement haïtien. Donc, après, il y a une vidéo, monsieur, par contre, qui a une vidéo, ça a fait arriver dans l'air. Yo joigne monsieur lui-même l'étape fait une séance masturbation en bon créole monsieur t'a satisfait tête li pour compte li et sexuellement en bon créole monsieur t'a fait ça relé bat la poignette dans bon langage créole c'est comme ça le relé et bien monsieur lui-même vidéo ça prend l'air il tombé sur réseaux sociaux par contre qui gens le fait arriver. En tout cas, les rivés dans G-Autorité qui ont même sanctionné et citoyen ça, qui est Carl Henry Châtelier qui a travaillé, qui est deuxième responsable dans l'ambassade d'Haïti dans le pays Bahamas. Donc, en pile fois, citoyens haïtiens qui ont besoin de services et représentation diplomatique ça dans le pays d'Haïti, eh bien, ou l'autre bord, ou besoin de services ou pas, mais qui s'est réglé et c'est
ça y a le réglé et y a gagné à faire pas y a réglé donc pas gagné service pour population et haïtienne diaspora s'il a qui à l'étranger ou du moins sous voyage ou besoin service ou pas gagné mais en danse y a fait ticoulout c'est a fait sentiment et y a réglé bagay dévergondaille c'est ça y a réglé nan ambassadeur pour certains nan yo faut nous dit ou c'est pas première fois genre de scandale ça arrivé nan niveau et autorité nan pays ici nous songe te gen des gros directeurs nan et ici nan l'état nan pays d'Haïti et bien côté te gen des vidéos nan même forme vidéo ça et bien qui t'est sorti et prend réseaux sociaux pour yo et bien l'état fois ça pas révoqué au contraire c'est eh bien promotion et l'état te bayo côté yo te nommé yo encore dans tête quelques institutions l'état gagné eh bien pour y aller servir population hein, des monde qui sans pudeur des monde que estimé eh bien qui pas gagné aucun ça n'est capable reler respect ni pour tête yo ni pour monde eh bien c'est yo même qui dans tête une série de gros institutions qui eux même eh bien qui là et qui a bail service qui ou même sous besoin service c'est là pour aller donc une situation qui paraît difficile est-ce que yo pral prend une leçon par rapport à événement ça qui produit pour que gens de action ça ou intimité moun c'est des bagages qui fait de façon très privée eh bien pour que bagages comme ça pas prend la rue donc ou pas connaît en tout cas ça il prend la rue et fois ça autorité eux-mêmes yo réagi et yo révoqué monsieur qui relait Karl Henri et Châtelier donc qui c'est deuxième secrétaire dans ambassade pays d'Haïti dans pays Bahamas. L'autre information la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif eh bien désapprouvé là un projet contrat exécutif là l'état haïtien gagné avec une compagnie qui relait Helico SA côté pour l'état haïtien ta loué hélicoptère nan main compagnie Helico SA mais pour $3,300,000 pour yon l'année donc d'après objection la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif il dit gens des contrats ça yo pas nan intérêt l'état haïtien et la Cour des comptes proposait exécutif là pour acheter propre hélicoptère PAL pour l'État haïtien au lieu que la dépenser quantité somme l'argent ça $3,300,000 pour lui payer location hélicoptère chaque année donc la Cour des comptes pas approuvé contrat et lui voyait lui proposer l'État haïtien pour acheter propre hélicoptère PAL puisque l'agence a l'état a dépensé a eh bien li est trop élevé et li pas dans intérêt l'état haïtien. L'autre information gagne plusieurs partis politiques avec regroupement politique non opposition parmi yo gagne Mopod qui c'est mouvement populaire désaligné avec RSD qui c'est rassemblement social démocrate avec tout quelques syndicats qui annonçait 3 jours manifestation dans Port-au-Prince, sorti 29 septembre pour arriver 1er octobre cap venir. Objectif manifestation ça yo, eh bien série mobilisation ça yo, lever campé ça yo, c'est eh bien pour yo dénoncer Conseil électoral provisoire président Jovenel Moïse mette campé a qui prend fonction sans pas prêter serment devant la Cour cassation. Pour tout et dénoncer zak violence qui a fait dans différents quartiers populaires dans Port-au-Prince ak tout pour réclamer départ président continuer réclamer départ président Jovenel Moïse sous pouvoir mais vu que monsieur ça son paquet nèg nous a dit son bon imposteur yo pas passé devant la cour récemment monsieur après monsieur Jovenel Moïse a installé mais je dis à même nous prêt nous pas bail date sitin nous va bail date pour ensemble activité que vous faites mais sitin yo va dans de manière spontanée. Même j'ai envoyé nous faire devant l'ambassade américaine. Nous levons, puis tout le ministre nous prend nos téléphones, nous débarquons devant l'ambassade. Et là, nous tournons devant l'ambassade américaine. Parce que nous connaissons, maman Créella, c'est madame Sisson. Marine Créella, c'est madame Laline.
Et Papa Créé là, c'est Donald Trump. Et reste avec Capsule et Créé, c'est Jovenel Moïse. Qui donc? Je ne dis pas que je vais parler avec militants. Nous allons parler avec l'autre groupe de monde qui s'est monsieur avec guitare. Militants politiques, n'a pas dit aujourd'hui, l'air est à la révolte. Quel que soit militant, quel que soit appartenance aujourd'hui, je pense tout le monde, nous avons un ennemi commun qui c'est PHTK et je dis à qui gagne deuxième version, qui est Jovenel Moïse, imposteur, infiltré qui m'a fait lui. Je dis à me penser, calendrier ça parle de là, c'est pas calendrier secteur démocratique, c'est pas calendrier petite de Saline, c'est pas calendrier Fomila Balas, c'est pas calendrier Fusion, c'est pas calendrier OPL, c'est calendrier pour tout le monde je dis à qui dit non. Avec ça qu'a fait là, parce que quand on est le projet pays, nous là, il faut que les citoyens qui sont petits tous ces l'ouverture, qui sont petits des salines, qui sont petits Bacandal, qui sont petits Cabo la mort, qui disent non, halte là. Dans ce sens, parce que tout militant aujourd'hui là, il faut que nous dormions avec tennis nous marrer dans pied nous, boxe nous marrer dans pied nous, pour les faire mouvement spontané, ni mouvement, je veux dire, nous gagnons la qui liste, pour qu'après, pour mener la bataille là. Deuxièmement, nous avons une date qui est importante pour nous qui c'est 17 octobre parce que camarades là qui dans liste nous parle là. Nous connaissons tout le monde, c'est un défi nous sommes pour Jovenel pendant tout le mandat là, pas qu'à aller pour nous. Et nous-mêmes militants, nous pas arrêter quoi. Ces dernières années de mandat là, nous avons une chance là, nous avons une bénédiction ça pour aller pour nous. C'est ça fait la vie. Nous aujourd'hui à gangsterisation qui a fait ce pays là, c'est pour permettre qu'elle aille pour nous en bas. Mais nous dit, si monsieur est en bas, nous avons toujours dit à nous-mêmes, il n'y a pas être nous. Parce que c'est un groupe de monde qui marginalise. C'est des gens qui sont victimes de ce système. Ça. Parce que je dis, les gens qui sont dans les amis, les gens qui ont accès à nos douanes, qui ont accès à la vie de contenir, qui ont accès à la bâtiment des amis, je dis à tous là. Mais même les gens qui ont accès à la vie, ils ont servir avec eux. Ils ont dit, tiens, c'est ça aujourd'hui. L'argent de Jovenel Moïse, ce n'est pas l'argent lié. C'est l'argent. Mais quand tu as vu Jovenel Moïse descendre en bas pour aller souiller, monument par la nation, n'a dit c'est là, c'est là. Nous voulons reconnaître que tout débris, tout patras qui gagne les États-Unis, c'est en Haïti qui veut débarquer. Pas oublier, nous avons fatra pépé. Toutes vieilles machines, toutes les vieilles débris que vous avez blessé en Haïti pour débarquer. Même fatra diplomate, c'est Haïti pour vous voyez dans la diplomatie. Et mais c'est ça que fait aujourd'hui à nous-mêmes, au niveau de l'Alliance PEP, nous toujours camper devant toute ingérence. Que moun qui soit disant dit aux ses amis pays d'Haïti a fait en pays. Moun sa yo pa ka prete, yo pa ka prete serment devant la cour parce que moun sa yo pays a et constitution pa gen aucun côté que reconnaître créé électoral. Et bien on avance pour aller sur question date que nous gagnons. Pas oublier 30 septembre qui ça 30 septembre représenté pour population. Il vient une date historique et c'est ça que fait chaque année qui vive, dans chaque année depuis 30 septembre, nous connaissons une mobilisation qui a fait dans le pays. Vu avec massacre, que même équipe Mounsayo, pas oublier Mounsayo, nous te dit, Mounsayo, yo gen sa nou te pa brele, et question massacre, lui fait partie de ADN Mounsayo, massacre la même, lui fait partie de ADN équipe PHTK. Et bien, je dis à nous du 30 septembre, dans cette date que nous avons fait massacre, qui va gagner 33 ans, depuis qu'il y a eu un massacre, pas de monde dans le Vaillant. Et pas oublier tout, 2 octobre, nous avons une manifestation qui a fait dans la région Les Palmes, qui c'est Léogan, qui va gagner un petit bois, grand bois là-dedans, toute région, après jouer ensemble pour nous capables de faire une grosse mobilisation qui a fait dans la région Les Palmes, qui a fait Léogan. Nous invitons la presse, nous invitons toute la population pour être capable de participer dans le mouvement de mobilisation levé comme ça, contre Tito Tok, qui est l'international, qui c'est Jovenel Moïse. Et bien, pas oublier tout, 5 octobre, nous avons une exposition photo. Tout le monde, Bini, ambassade américaine, Jovenel Moïse, Tok Tok, Jean-Rébel Dorsena, avec gang qui est créé dans le pays, qui c'est Genève, et allié en famille, assassiné dans le pays, nous avons fait une exposition photo, nous avons devant le monde entier, 5 à 6 octobre dans le pays. Et pas oublier, camarades, tu sautes parler de l'autre activité spontanée qui est capable de faire dans le pays, même si nous avons fait ça, fait dernièrement devant l'ambassade américaine, et bien, jusqu'à ce que nous arrivions jusqu'à 17 octobre, qui parle bien, une mobilisation générale qui parle de faire dans 4 points pays, dernier soulèvement que nous fait dans le pays, pour nous capables d'évacuer Tito Tok qui est dans le pays national, qui est le Jovenel Moïse.
L'autre information, conseil l'ordre avocat Port-au-Prince dit yo déterminé pour que yo joigne justice pour mettre Montferrier Dorval. Donc yo dit yo pralé jusqu'au bout. Donc c'est comme ça gagnait bâtonnier à IA mettre Marie Suzy Legros. Eh bien, il a annoncé yon l'autre marche a fait dans Port-au-Prince dans date 5 octobre qui a venu là, la sortie dans zone la cour et cassation et dans palais de justice là sous champ mas là. Eh bien, la monté pour l'aller dans bureau dans cabinet maître Montferrier Dorval dans Riel Rivière. Donc maître Marie Suzy Legros qui s'est bâtonnier à IA, il fait connaître. Eh bien, il est en contact avec différents et autorités, différents et étapes et que dossier et enquête sous maître Dorval là, li a poursuivre là. Donc, il dit, il est satisfait jusqu'à présent de travail qui fait dans enquête qui sous dossier a. Il souhaitait enquête là aboutir. Et il dit, li et Baoua pral écrit président Jovenel Moïse yon lettre, même Jean. 47 barreaux pays francophones ont écrit président yon lettre déjà pour demander une commission indépendante, enquête indépendante pour mener enquête sous assassinat qui était fait sous maître Montferrier Dorval. Donc nous invitons à écouter Marie Suzy Legros qui lui-même c'est bâtonnier à I barreaux Port-au-Prince là. Nous étions en contact avec Peboc, nous étions en contact avec la DCPJ, nous étions en contact avec le décan. Maintenant, nous avons pris contact avec le cabinet d'instruction pour vérifier et surveiller les différentes étapes de la procédure devant aboutir au jugement. Nous ne disons même pas à l'arrestation, au jugement des criminels, parce qu'il y a le criminel qui a monté de toutes pièces. Cet assassinat, il y a les gens qu'on appelle les exécutants, mais il y a celui qui a conçu, c'est lui encore qui nous a assassinés. Il nous a assassinés d'abord et l'exécutant a réalisé son forfait. Mais parallèlement à cet état de fait du Conseil de l'Ordre, la mobilisation reste et demeure jusqu'à obtention du jugement. Nous ne savons pas de quel tribunal. Parce que là, nous sommes au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et comme vous devez le savoir, il y a 18 juridictions de jugement. Donc, on peut commencer au tribunal de Port-au-Prince et finir dans une autre juridiction. Parce que nous sommes prêts à brûler toutes les étapes, aller garder tous les échelons, toutes les voies de procédure. Nous allons les prendre pour obtenir justice. Nous n'allons pas nous laisser berner et avoir un petit exécutant et laisser l'auteur intellectuel de côté. Il nous faut les deux, sinon il y a plusieurs. Donc, dans le type de la mobilisation, nous avons une marche le 5 octobre, immédiatement après la cérémonie de l'ouverture des tribunaux. La marche aura lieu le 5 octobre, le point de départ est la cour de cassation, parce qu'en principe, c'est à la cour de cassation que la cérémonie va avoir lieu. Donc, après la cérémonie, nous partons et nous faisons le chemin en sens inverse. Nous sortons de la cour de cassation pour arriver au cabinet de maître Montferrier Dorval. Parallèlement également, le conseil a prévu d'apposer des pancartes, des banderoles, tout ce qui peut rappeler Montferrier Dorval à la population haïtienne. Et ce, dans les 18 juridictions. Je dis 18 juridictions, ça veut dire Port-au-Prince et les 17 autres. Donc, nous demandons la collaboration des différentes organisations de la société civile dans cette lutte que nous menons pour avoir justice pour le bâtonnier Montferrier Dorval. Sous Bopal, gagné Maître Patrick et Pierre-Louis, et lui-même tout, qui se Mambaoua, dans le cadre de conférence de presse à Yel, il dénonçait sa lirele force fait noyau, qui au même cap fait coup de mal taillé, cap fait gros manœuvre pour empêcher
eh bien bâtonnier et Port-au-Prince-là et qui t'est mouri yo assassiné maître Monfrier Dorval, eh bien pour que li pa ta joine justice. Conseil l'autre avocat Port-au-Prince yo dit, eh bien yo pas baisser les bras devant assassin yo même disons devant action assassin yo estimé qui rivait trop loin dans pays d'Haïti. Donc, maître Pierre-Louis dit, et Baroua pour aller jusqu'au bout. Donc, il faut qu'il joigne, eh bien, justice pour maître Monferrier Dorval avec tout cela même qui passait dans la même condition avec maître Monferrier Dorval. Alors, un mois déjà, depuis qu'on a lâchement abattu notre patrouiller, maître Monferrier Dorval, et les assassins sont dans la ville. À leur soutien, des forces obscures qui ne disent pas leur nom et qui essaient de jouer sur tous les tableaux pour diluer l'ignominie de l'acte, un mois déjà. Mais c'est par une grossière erreur de vue qu'on croit pouvoir nous décourager. C'est par une colossale faute de perspective qu'on croit pouvoir passer outre la pugnacité des avocats et la résistance de la société. Les assassins sont allés trop loin. Le conseil ne cédera pas. Nous ferons en sorte de rechercher justice jusqu'au bout pour notre bâtonnier défunt. Sans oublier ces citoyens anonymes qu'on tue dans les quartiers populaires. Le conseil l'a déjà affirmé et le redit. L'assassinat de maître Monferrier Dorval est moralement imprescriptible. Lors même que les voies de recours auraient été épuisées à l'échelle nationale, nous ferons en sorte que la justice régionale prenne le relais. Il n'y aura jamais de répit pour les assassins que celui de la tourmente perpétuelle derrière les barreaux. L'autre information, bandit exam, pas suspendre, fait population haïtienne crier, mettez de l'eau dans la population haïtienne. Donc c'est comme ça, pour week-end passé, a gagné plusieurs mouns qui mourit dans Arambabal, bandit dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Parmi eux, gagné pasteur Jean-Philippe Quétan avec madame ni Erna Plancher, bien bandit exam rentré la caillou dans Onaville, yo touye yo tous les deux, yo éteint souffle yo tous les deux. Donc deux moun sa yo, pasteur Quétan avec madame ni, et bien tap vive dans pays États-Unis depuis plusieurs dizaines d'années, et yo te décidé rentrer dans pays a pas trop longtemps pour que yo te vienne fait et sous fait et ti grand moun yo fait vieillesse yo dans pays a et vin pran retraite yo d'après information yo. Bien malheureusement bandi 100 fois ni loi rentrer la caillou éteint souffle yo tous les deux. Donc yo pas gen temps reposer la caillou fait bel ti grand moun yo la caillou d'après toute information yo. À l'étranger gagné eh bien élection dans pays États-Unis et après et plusieurs mois yon a voyé toya sou l'autre ti di fait voler yon a fait ti di fait voler sou l'autre eh bien les arrivés pour deux candidats yo qui c'est Joe Biden avec Donald Trump a troqué konyo dans premier face à face y a gagné la question débat télévisé eh bien pour y aller répondre question journaliste avec grand public américain. Donc faut que nous disons c'est à soya à 9h et bien deux et gros bois ça dans politique américaine a gagné pour troqué konyo dans un débat public qui yo même candidat pour yo eh bien pour place président dans Maison Blanche là pour élection 3 novembre qui a venu là. Faut que nous disons eh bien c'est à 35 jours et nous à 35 jours seulement de réalisation eh bien et compétition électorale dans pays États-Unis. Eh bien tous les deux candidats yo qui c'est Joe Biden qui c'est Donald Trump, Joe Biden pour candidat des partis démocrates là et puis Donald Trump pour candidat et républicain yo, eh bien tous les deux là sous gros tension. Et situation paraît un genre plus difficile pour président Donald Trump lui-même
après enquête, eh bien, journal New York Times qui révélait que le président Donald Trump n'a pas payé de taxes pendant qu'il s'est un milliardaire, qui a un pile gros business dans les États-Unis. Eh bien, il n'a pas payé et impôts pendant environ 15 dernières années. Donc, c'est seulement dans l'année 2016 que le président Donald Trump a été payé $750 pour impôts. Et dans le moment que il a monté sous pouvoir, et en 2017, une année après, il paye encore même somme qui c'est $750. Donc, estimé, eh bien, monsieur, pour quantité de business qu'il a gagné, le bien l'argent yo croit que li pas payé impôt du tout, donc c'est impôt qui est égal à n'importe simple citoyen américain. Président Donald Trump lui-même li payé, donc sous base li tout dit business li yo en faillite. Sous bon payo, démocrate yo même et proposé disons là un plan relance économie américaine nan pour compenser effet dévastateur crise coronavirus a été porté dans le pays États-Unis. Plan ça lui-même, il visait injecter bien 2 000 milliards de dollars dans l'économie américaine. Nan, eh bien, il dit quantité l'argent ça lui-même comme compromis, mais qui a piqué disons qu'a coûté piti l'argent d'après ça, eh bien, et moun qui nan autorité qui nan parti démocrate lui-même.